Le chef-lieu de la province du Lualaba, autrement considéré comme un havre de paix, sombre peu à peu dans une insécurité alarmante. Chaque jour qui passe, les habitants se trouvent piégés dans une situation de plus en plus précaire. Les vols, les agressions sexuelles, pour ne citer que cela, plongent les nouveaux quartiers dans une atmosphère de crainte et d'incertitude. L'absence des postes de police dans le nouveau lotissement figure parmi les indices qui favorisent l'insécurité dans le nouveau quartier, en pleine expansion démographique, laissant ainsi les résidents à la merci des malfaiteurs. Cette situation ne fait qu'exacerber les tensions sociales. La colère gronde parmi les habitants qui réclament les mesures concrètes pour assurer leur protection. La mise en place des bureaux de police dans le nouveau quartier serait un premier pas significatif vers la restauration de l'ordre et de la sécurité, comme l'a toujours souhaité la population dans leur ras-le-bol. En attendant, les habitants de la province du Lualaba restent sur les qui-vive, espérant des solutions idoines auprès des autorités compétentes pour leur sécurité.